Salut les gens! Aujourd'hui, on va parler de lunettes et plus précisément de la marque Firmo qui est une marque de lunettes pas chère du tout. Si ça t'intéresse, reste avec moi et tout de suite, générique! Quand on parle lunettes de vue pas chères, on pense en premier à Paulette, le petit lunetier, etc, etc. Moi, j'ai des lunettes de vue et je porte des lunettes de vue depuis des années et je commande toujours chez Firmo. Firmo est un magasin en ligne de lunettes, lunettes de vue, lunettes solaires. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles, pour tous les sexes, pour tous les âges. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. En tout cas, des vidéos francophones, il n'y en a vraiment pas beaucoup sur le sujet. Malheureusement, mes lunettes ici que je porte de vue, comme vous pouvez le remarquer, il y a un reflet et ça va être un petit peu embêtant pour le reste de la vidéo, donc je vais les mettre ici, mais voilà, comme ça vous les avez vus et on va en reparler plus tard. Toutes les lunettes n'ont pas un reflet comme ça, c'est des lunettes qui sont tout à fait adaptables et personnalisables. Alors Firmo, c'est essentiellement en ligne, c'est américain mais ils livrent partout dans le monde. Alors ils existent depuis 2009, donc déjà plus de 10 ans. C'est plus connu du coup du côté américain. Alors moi, j'avais été contactée par la marque il y a maintenant 4 ans pour un partenariat et j'avais fait des petites photos et vidéos partenariat, mais essentiellement sur Snapchat et Instagram. J'avais pu choisir des lunettes et vous en parler. J'étais pas rémunérée, je devais donner mon avis. J'avais été très très contente et du coup, c'est maintenant ma 3e ou 4e fois, je crois, que je recommande chez eux parce que je suis totalement satisfaite et je vous dis bon plan. Ce que j'adore avec Firmo, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les styles. Vraiment, ils suivent les tendances. Alors on a du oversize, on a du cat eye, on a des lunettes en métal, on a des lunettes en plastique, on a des grands, des petites. Et sur le site, vous pouvez aller du coup chercher par catégorie. Il y a pour les adultes, il y a pour les enfants, il y a pour les hommes, il y a pour les femmes. Cherchez par catégorie, par forme de visage, visage arrondi, visage en cœur, visage carré, et on peut également, ce que je trouve génial, il y a un petit outil en fait qui s'appelle le try on. On peut soit se filmer ou mettre une photo pour tester les lunettes en fait. Voilà, il va avoir les lunettes qui vont se mettre sur votre photo et comme ça vous pourrez savoir si plus ou moins la paire va vous aller. Ce que je trouve qui est aussi très pratique pour se donner une idée, parce que vous pouvez vous dire ouais mais commander des lunettes de vue en ligne c'est un petit peu difficile, et franchement la première fois c'est ce que je me suis dit. Les lunettes, normalement on va chez l'opticien et ça s'essaye, on voit si ça va par rapport à la forme du visage et tout, et comme je vous dis, il y a vraiment cet outil en fait de vous aider par rapport à la forme de votre visage. Souvent ils mettent des photos des lunettes portées ou même des micro vidéos, donc ça c'est génial en fait. Vous regardez la paire de lunettes puis vous voyez une personne qui va le porter. Ce que moi j'adore faire et ce qui est pratique aussi, c'est d'aller voir dans les commentaires. En général, les gens qui ont acheté vont mettre une photo avec la paire de lunettes. Alors des fois on se retrouve avec une centaine de photos et ça donne vraiment une idée de à quoi la paire va ressembler. Alors évidemment, on a des différents verres de lunettes, on a des verres progressifs, on a des verres de lecture, on a des verres bleus aussi contre les écrans, et on peut également prendre des lunettes avec des verres défaut en fait. Si vous voulez des lunettes juste pour le style, vous pouvez également. Voilà. Ils font des lunettes de soleil aussi, et des lunettes de soleil qui seront adaptées à votre vue. Alors, je vais vous expliquer la manière de fonctionner, qui est assez simple. En fait, voilà, vous allez sur le site, vous allez regarder les paires de lunettes. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a vraiment, il y a énormément de choix. Et d'ailleurs, à chaque fois que je commande, j'en choisis au moins 2 ou 3 paires. À savoir que Firmo fait beaucoup de promotions. Ils font souvent, il y a le truc BOGO Sale, comme ça s'appelle, où c'est une plus une gratuite, une paire plus 20% sur la deuxième, une paire plus 50% sur la deuxième. Vraiment, il y a des promos tout le temps. La manière de procéder est la suivante. Vous allez chercher votre paire de lunettes qui vous fait de l'œil, si je puis dire. Et du coup, vous la mettez dans votre petit panier. Et au moment de payer, alors là, vous passez à la personnalisation. Alors, vous allez choisir vos verres. Vous allez choisir, est-ce que vous voulez des verres normaux, donc simples, juste pour le style, ou des verres avec une prescription. Là, rien de plus simple, vous envoyez votre petite prescription et eux se chargeront du reste, de faire les verres à votre vue. Ensuite, vous allez choisir le verre. Est-ce que vous le voulez avec reflet,
par reflet, contre les écrans bleus, enfin voilà, vous pouvez vraiment choisir, vous demander est-ce que c'est pour la vue de près, la vue de loin, est-ce que vous voulez des verres, vous pouvez vraiment tout personnaliser. Évidemment, le prix va en découler, c'est-à-dire que les verres basiques vont être à tel prix, et après un peu plus cher si vous prenez telle option, un peu plus cher telle option, et voilà. Et c'est ça que vous aurez le prix au final. Donc sur le site, vous allez voir des prix, parce que vous allez voir une paire qui est à 15-20$, quelque chose comme ça, vraiment pas cher. Mais après, voilà, les verres, je crois, basiques sont à 10$. Et après, c'est à vous de voir ce que vous allez rajouter. Donc évidemment, ça va monter. Mais bon, à savoir que chez un opticien, une vraie paire de lunettes, on est à minimum 200 balles. 150-200 balles, voilà. Là, on n'y sera pas. Ça, en fait, mes lunettes, j'ai pris les verres basiques. Je crois que j'ai pris juste en petit reflet quand moi, je suis devant un écran. Mais j'ai pas pris le... J'ai pas pris pour les écrans, enfin voilà, il y a un truc que j'ai pas pris. Évidemment, je n'avais pas encore recommencé YouTube. J'avais su, j'aurais évité parce que c'est chiant. À chaque fois, j'ai envie de les mettre sur mes vidéos, mes lunettes, parce que je mets tout le temps mes lunettes. Mais c'est très chiant. Je peux pas faire une vidéo comme ça tout le long. Enfin, ça déconcentre et voilà. Je peux comprendre que c'est chiant. Donc réfléchissez bien que vous prenez des verres à ce que vous allez faire avec. Tu sais qu'il y a une option aussi maintenant d'avoir des verres qui sont plus facilement nettoyables. Je vous le conseille. Je ne l'ai pas pris. Et je vous avoue, j'en ai marre. J'ai toujours des traces sur mes lunettes parce que sur mes doigts, il y a du liquide de cigarette électronique ou du maquillage. Donc c'est vite voilà, un peu crasseux. Et apparemment, il y a des verres qui se salissent moins vite et se nettoient plus facilement. Donc voilà, une fois que vous avez personnalisé vos trucs et tout, tout simple, vous allez recevoir la livraison à la maison. Faut compter, bon, vu que si vous êtes voilà, en France ou en Belgique, ça vient des États-Unis, donc faut compter 10 jours, 15 jours, grand maximum. Ce qui est super chouette aussi quand ils vous envoient la paire de lunettes, ils vous envoient aussi un petit kit. Alors déjà, c'est dans des boîtes comme ça. Voilà, ça c'est la boîte de chez Firmo, qui est très sympa je trouve. Et ils la changent régulièrement. Alors là, c'était des comme ça. À un moment donné, on a eu des boîtes transparentes. Dedans, vous avez un petit chiffon. Et ce qui est génial, c'est que vous avez un petit plastique où dedans, en fait, vous allez avoir un petit tournevis. Tout petit tournevis. Vous voyez ? Des toutes petites vis pour... Si jamais vous avez un problème à vos lunettes, si comme moi vous avez l'habitude de les mettre sur la tête et qu'à un moment donné elles vont un petit peu bah, être plus lâches en fait et vous voulez un petit peu resserrer vos lunettes, et ben voilà, petit tournevis, petite vis si jamais vous devez la changer, enfin c'est génial, c'est hyper pratique, j'ai jamais vu ça chez un opticien que je sortais avec un petit kit quoi. En général on doit retourner chez l'opticien, lui demander pour le serrer et après ils vous font payer, enfin voilà, donc ça c'est à chaque fois. Genre à chaque paire de lunettes, c'est pour ça que j'en ai plein, c'est que je commande deux paires de lunettes, je vais avoir deux kits. Donc voilà. On va terminer par vous montrer mes lunettes à moi. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Alors là, ici, ce que je vous montre, c'est celle que j'ai commandée le plus récemment. Celle-là, je l'ai commandée il y a à peu près un mois et demi. Donc voilà, comme ça, vous voyez le rendu. C'est des très grosses, très oversize, couleur noire mat, avec des grosses montures, enfin une grosse monture comme ça. Voilà, alors je les trouve vraiment très chouettes. Celles-ci, je les ai payées 12$. Juste 12$, ce sont les lunettes. Après, j'ai dû rajouter les verres. Ça, je sais pas voir le prix, mais en tout cas, juste les lunettes en elles-mêmes valent 12$. Alors, ensuite, nous avons celle-ci que j'aime beaucoup aussi et que je mets souvent. Alors là, il y a un petit peu de moins de reflets si je me mets comme ça. Des lunettes transparentes, pour moi, c'est la base. Ça va avec tout. Alors, c'est la troisième paire de transparentes que je me rachète. La première paire de transparentes, ça a été aussi sur Firmo. Et j'adore parce que ça va avec tout. C'est vrai qu'on prend des lunettes de vue. Et surtout, à l'époque, quand ça coûtait très cher, on se disait, bon, je dois prendre une paire, mais il faut que ça aille avec tout. Parce que voilà, j'en ai besoin pour ma vue. Il faut vraiment que ça aille avec tout. Et des lunettes transparentes, pour moi, on ne peut pas se louper. Alors, évidemment, toutes les formes ne vont pas forcément là à tout le monde. Et en plus, c'est transparent, mais un petit peu brun, un petit peu couleur chair, comme ça. Celles-ci ont coûté aussi 12$, sans les verres. Donc la monture, voilà, en elle-même, ces lunettes valent 12$ et existent en plusieurs coloris. Il y a rose un peu fumé, bleu aussi un peu pastel, ou vert,
transparent et noir. Alors, nous avons celle-ci. Alors, niveau reflet, ouais, je vais essayer de me mettre comme ça. Qui sont un petit peu plus originales. Parce que vous voyez, ici, c'est orange. Alors, c'est transparent. Transparent orange. Un petit peu original. Voilà. Ici, c'est un petit peu couleur écaille de tortue, comme on dit. Voilà. Je les aime aussi beaucoup. Alors, vraiment, cette commande-là que j'ai fait il y a un mois, j'avais envie de grosses lunettes. Vraiment, de lunettes oversize et un peu effet plastique, quoi. Mais vraiment gros. C'est vraiment devenu tendance. Alors celles-ci sont un peu plus chères. Elles étaient à 26$. 25,99$. Flashées. Vraiment, je les trouve trop cool. Alors par contre, je les mets un peu moins souvent parce que vous pouvez vous en douter, ça va pas avec tout. Du mal un petit peu à les associer. Et comme j'ai flashé sur les deux autres, j'ai tendance plus à mettre les deux autres. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez ici dans cette commande. Laquelle des trois vous préférez? Alors du coup, pour ma commande ici, en tout, j'en ai payé pour 91,55$. Les frais de port étaient gratuits, compris, à partir de 69$, c'est compris. Ah, du coup, j'ai les pris avec les verres, mais comme je vous dis, c'est personnalisable, donc voilà. La paire ici, elle était à 12$, elle est montée à 24. Il y a une paire qui est montée à 38, une qui est montée à 40. Et après, il y avait des remises. Ah ouais, il y avait un code 20%, enfin voilà, bref. En tout, dites-vous, j'ai payé 91$, donc à peu près 90€ pour 3 paires de lunettes correctrices. C'est ouf. Alors, je vais vous montrer d'autres lunettes. Ça, c'était d'une ancienne commande. Mais j'ai remarqué que sur le site, elles sont toujours en vente. Elles sont même encore moins chères que ce que j'avais payé à l'époque. Alors, ça, c'était celle que j'avais il y a un an et demi maintenant. Presque 2 ans. Voilà. Donc, c'était la mode des lunettes en métal rondes. Simple. En métal. Existe en noir, en doré ou en silver, en argent. Et elles coûtent 16$. Voilà, 16$ au lieu de 26 que j'avais payé à l'époque, donc il y a 38%. Voilà ce que ça donne. Elles sont aussi très fines, voilà, très sympas. C'est noir comme ça, ça passe avec tout. Alors j'ai plus l'habitude de mettre des rondes comme ça, mais du mieux avec la tenue et tout, ça passe. Dites-moi ce que vous en pensez. La deuxième paire, comme je vous dis, c'est une paire de transparentes. Comme moi j'adore, incontournable. Alors c'est vraiment des transparentes toutes simples, vraiment. Toutes transparentes, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout, voilà. Et c'est celle-là, je les mets encore un peu. Bon, maintenant que j'ai l'habitude d'avoir des oversize, d'avoir des très grandes, ça me fait bizarre. Mais celle-ci, vraiment, je les portais tout le temps parce que voilà, ça va avec tout. Et je trouve que ça ajoute un petit quelque chose à une tenue. Elle coûte 19,99€, donc presque 20$, un peu moins que 20€. Il y a en transparente, en noir, en rose et en mauve. Voilà, je vous montre ce que ça donne. La commande des transparentes et des noires, j'avais payé en tout 48$ pour, je vous rappelle, 2 paires de lunettes correctrices et les frais de port, même pas 50€. Voilà, écoutez, la vidéo s'arrête ici. Alors si ça vous a intéressé, faites un tour sur le site parce qu'en ce moment il y a 70%, 70% de promo. Dites-moi en commentaire quelle paire vous a plus et quel genre de lunettes vous aimez, ce que vous en portez, même si c'est juste pour le style, ça m'intéresse. Likez la vidéo, abonnez-vous si ça vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Ciao !